Quelques 15 000 spectateurs pour cette rencontre de la 7e journée du championnat de France de première division entre Rouen en rouge et blanc et Nancy en blanc. Le premier but de la rencontre à la 13e minute, un corner de Tlem Sani et une magnifique reprise de la tête de Beltramini. 32e minute, une belle action des Nancéens, la seule au cours de cette première période. Fabiani, Janot, tire de Janot, bonne intervention de Ben Sousa. 1-0, ce sera le score à la mi-temps, une première mi-temps dominée par les Diables Rouges. En deuxième période, les Rouennais allaient doubler la mise à la 51e minute. Un corner de Tlem Sani, une reprise à la tête de Beltramini, la répétition du premier but. Mais ce but a échappé à notre caméraman, il changeait à cet instant de cassette 2-0. 57e minute, le hat-trick pour Beltramini sur une magnifique ouverture de Rodon, 3-0. 71e minute, les joueurs d'Hervé Colo allaient sauver l'honneur grâce à Rune Pérez, le meilleur à Janot hier soir. Rune Pérez a encore 18 mètres, vous l'avez vu, interpuissant. Ben Sousa a été battu 3 buts à 1. 84e minute, un coup franc, Tlem Sani, longue balle pour Alberto. Coup franc de Tlem Sani, voilà qui est fait, longue balle pour Alberto. Amorti de la poitrine de Daniel, le ballon pour Beltramini. Une troisième tête pour Jean-François, 4 buts à 1. Un exploit personnel de Jamel Tlem Sani qui se joue de la défense nancéenne et du gardien Moutier. Doucement mais sûrement, 5 à 1, la foule est en délire. 89e minute, un 1-2 entre Rodon et Olmé. Un blanc, me semble-t-il, au passage, bat son gardien Moutier, 6 buts à 1. Enfin, à 90e minute, Dido au départ, puis Tlem Sani un centre, erreur de Janol, Beltramini en embuscade, 7 à 1. Beltramini devenait ainsi le meilleur buteur du championnat. 5 buts, c'était une première pour Jean-François. Pour moi, personnellement, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais c'est très rare, en avançant, de marquer 5 buts dans un match. Ce soir, on vous a vu dans un grand jour. Ce que je peux dire, tout a réussi. Puis François, il a marqué toutes les occasions qu'il a eues. Puis je partage cette victoire avec ce public qui est vraiment formidable. Voilà. Jamel, tout a réussi ce soir. On fait marquer, on marque. Ben c'est bien. Si j'ai marqué et puis si François il a marqué, c'est que tout le monde a bien joué. Puis on a fait, je crois, un super match ce soir. Jean-François, avec 7 buts maintenant, vous êtes parti des meilleurs buteurs du championnat. Oui, mais c'est comme dit très bien Jamel, bon j'ai marqué 5 buts, c'est un fait, mais il faut féliciter d'abord via Jamel qui a fait une grande partie, et puis toute l'équipe. Pour moi, ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est quand même, Rouen est quand même la seule équipe régionale pour tout l'ensemble, même de la Normandie, et tout de même de voir les succès qui ont été acquis ce soir est un encouragement et pour nous.